Coucou mes petits hérissons, c'est Soy, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un tout nouvel épisode de la découverte du gameplay sur Cliff Empire. Donc je suis désolé hein, pour ceux qui auraient regardé éventuellement la vidéo la première fois, j'ai pas fait gaffe et j'ai dû avoir un problème avec mon micro. Donc j'étais en train de tester un nouveau micro et c'est complètement de ma faute. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire si le son est quand même meilleur ou pas, malgré que le... que la première fois ça a fait de la merde. Et grande nouvelle, j'avais pas pu le dire du coup dans la première vidéo, mais le développeur m'a passé une clé pour vous la faire généreusement gagner. Donc je vais organiser un petit concours pour vous faire gagner cette clé. Donc sans plus attendre, on va commencer une nouvelle partie et là je vais essayer de faire une vidéo un peu moins longue. Donc on va passer la cinématique et nous voici du coup dans la map. La map va être générée aléatoirement éventuellement. Enfin c'est même pas éventuellement, c'est la map va être générée éventuellement aléatoirement. Et voici du coup cette map. Là du coup, donc il y a à peu près les mêmes patterns quand même. Donc j'ai eu soit trois petites îles, soit une île là et deux îles là, soit aussi une île par ici et deux îles par ici. Hein. Donc on va parler vite fait de l'interface. Donc ici ça va être le mini tutoriel à suivre. Ici, vous avez du coup votre argent, combien vous payez de crédit, combien vous payez d'employés pour ceux qui, qui sont au chômage. Là, si vous cliquez sur le petit point d'exclamation, enfin plutôt le i, vous allez avoir des infos sur chaque île. Donc par exemple là, la fertilité du sol, les matières déposites, pour la flotte, le soleil, le vent, les poissons et l'uranium. Donc on va pouvoir se déplacer, donc là vous pouvez voir qu'on a plus de poissons et que en soleil, en énergie solaire, en vent c'est vraiment catastrophique. Et qu'ici par contre, en énergie solaire c'est vraiment pas mal. Donc on va commencer par s'installer par ici. Après parlons un peu de l'interface, donc ici ça va être pour accélérer le temps, mettre en pause, mettre la lumière pour la nuit, le nombre de populations, le nombre de places que vous avez, ça je ne sais plus, parce que en fait j'ai mon micro devant donc je vois pas trop haut, et ici tout en bas ça c'est sûr et certain, c'est le nombre de places que vous êtes disponible pour les employés, hein. Ici ça va être pour l'énergie, tout en bas à droite, et du coup l'interface du milieu, ça va être les besoins de votre cité. Donc déjà, ils vont nous demander de fabriquer un storage. Ici, donc ça va être tout ce qui est écologie, énergie, de besoin de bouffe, besoin de flotte, besoin de poissons, etc., etc. Et la petite boussole, une fois que la boussole, elle est complètement rechargée, enfin, dès qu'elle a fait un tour, ça va consommer un tick de ressources. Donc, vous pouvez voir aussi que vous avez différents hexagones. Enfin, plutôt, pas hexagones, mais carré et rectangle. Vous avez un grand rectangle, un petit rectangle, un grand carré, un petit carré. Sur chaque carré ou sur chaque rectangle, en fonction de la taille et de la superficie qu'il a, du coup, vous aurez certains bâtiments constructibles. Donc là, par exemple, vous voyez centrale nucléaire, un grand parc, un aéroport, un trading portal. Ici, vous n'avez pas du tout ces mêmes choses, etc., etc. Donc déjà, ils veulent qu'on construise un storage. Donc on va construire un storage ici et vous allez voir une petite animation. Large construction completed. Objective completed. Donc voilà, là le port il a été du coup construit, hein, enfin pas le port, le storage. Donc on a récupéré un peu d'argent, là ils veulent qu'on construise du coup une landing platform. Donc on va construire une landing platform tout de suite et on va construire des maisons. Donc on va commencer par construire des petites maisons, allez, ils veulent qu'on construise des petites maisons. Donc on va construire, enfin on va construire des petites maisons plutôt, hein. Après il va vouloir qu'on construise des panneaux solaires, donc on va construire des panneaux solaires par ici. Il va nous falloir une batterie station qu'on va créer par ici. Hein. La batterie station va me permettre de créer des batteries. Vu que moi je vais fonctionner que essentiellement avec l'énergie solaire, vu que le vent j'ai que 20% de vent, donc c'est pas terrible, je veux que pendant la journée il me fabrique des batteries pour tenir le coup pendant la nuit. Donc là vous voyez, j'ai eu trois petits drones en même temps que mon storage. Les trois drones vont éventuellement apporter les ressources aux différentes zones et les bâtiments, comme vous allez pouvoir le voir, vont se construire au fur et à mesure dès que le gars dépose les ressources appropriées. Si on clique sur le storage, vous allez avoir les différentes ressources que vous avez déjà dès le départ. Hein.
Ces ressources-là, vous allez pouvoir voir la production qu'on a, donc pour l'instant on n'a rien en production, la consommation qu'on a, donc on consomme 2 batteries par personne. Excusez-moi, et aussi 0 batterie par l'industrie, etc., etc. Donc là, pour le moment, va falloir faire attention à ça. Donc là, c'est la nuit, donc forcément, on ne produit pas de batterie. Il va falloir aussi qu'on... Donc, Grindwasser, on est qu'à 60%. Donc, il va falloir qu'on produise de l'extraction de flotte. Donc, on va mettre de l'extraction de flotte ici, comme ça, on va pouvoir fabriquer, du coup de la flotte. De toute façon, c'est dans la quête, c'est ce qu'il va nous demander. Voyez, construire l'extraction de flotte. Et ils vont aussi me demander après. Donc maintenant qu'on a des batteries pour tenir la nuit, de l'eau pour les citoyens, on va avoir besoin de matter. La matter, c'est en gros ce qui nous est demandé pour chaque bâtiment. Vous voyez, chaque bâtiment a besoin de matter plus un peu de crédit. Aussi, je n'ai pas parlé de ça. Hein. Mais chaque bâtiment, vous voyez, il a un nombre de workers de places de boulot disponibles. Combien ça va consommer éventuellement consommer d'électricité. Et aussi, combien ça va consommer de... combien ça va perdre en écologie. Donc là, je vais perdre 5 en écologie. Donc je vais mettre ma matière ici. Je vais mettre du coup un champ qui va me faire gagner 4 d'écologie et 8 de place. Juste ici. Comme ça, donc le champ va me consommer 8 et 4 de flotte, enfin 8 de flotte et 4 de grains et 200 de crédit. Ici les serres par rapport, qu'est-ce qu'il y a qui change par rapport aux serres, hein, les champs par rapport aux serres, c'est qu'en fait les champs me rapportent un peu d'écologie et ne poussent pas tout le temps. Les serres consomment de l'énergie pour maintenir le microclimat. Que là, non. Donc on va construire un champ ici qui va. Vous allez voir que je vais être autosuffisant du coup. Toc, ça c'est fait. Donc il me reste plus que ça en énergie. Donc là c'est ok. J'ai 33 places de workers disponibles. Par contre, j'ai pas assez d'habitation. Donc on va construire une résidence médium pour pouvoir accueillir plus de gars. Dans les maisons, vous pouvez éventuellement les upgrader. Vous avez 3 choix. Donc soit l'esthétique. Soit pour générer de l'énergie, ou soit pour du coup accueillir plus de gars. À l'heure actuelle, je suis bien en énergie pendant la journée, je suis à 600%. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer par ici un large bureau qui va me permettre de générer de l'argent. Ça va être important. Il va me consommer pas mal d'électricité. Il va avoir pas mal de place pour les gars. Mais une fois que ce sera fait, hop, voilà. Moi j'aime bien, c'est pas dit dans la quête, mais j'aime bien le faire parce que ça me permet d'avoir 10 de cryoptique, enfin de monnaie du coup rapidement. Là on a récolté. Par contre du coup on manque un peu de gars. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire une résidence complexe grande qui va du coup me permettre d'avoir plus de gars, hein. Ça me coûte 220, mais bon, ça va me permettre d'avoir, vous voyez là je suis à 37 sur 90, donc j'ai vraiment besoin de gars en plus. Les bâtiments sont stylés, je trouve qu'ils sont plutôt stylés, et je n'ai pas parlé, mais je vais pouvoir relier les deux villes éventuellement. Chaque ville a sa propre argent et ses propres besoins. Donc là, par exemple, je vais construire mon storage par ici. Hein. Comme ça, on va commencer à voir ça tout de suite. Hop. Une fois que le storage, il est fait. Donc ici, je ne vais pas m'orienter sur de l'énergie de solaire, ni... ni de éolien, car c'est pourri. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va créer un landing post ici. On va créer des habitations, bah tiens, par ici. Voilà. On va devoir aussi créer un petit champ. On va créer un petit champ par ici. Landing post, nanana, nanana. Il va me falloir une zone pour la flotte. Donc, water extraction. Une zone pour les batteries. Que je vais construire par ici.
Mais sauf qu'ici, je vais m'orienter sur de l'énergie nucléaire. Donc je vais mettre une uranium mine. Et dans la grande zone qui est ici, je vais mettre une nucléaire port. Par contre, du coup, je vais pouvoir accueillir plus de personnes. Donc on va laisser ça tout se faire de ce côté-ci. Tout bosser de ce côté-là. Donc là, de ce côté-là, on a combien? On a 60, 108 de place. On a 123 places de éventuellement de gars. En énergie, je suis juste. Éventuellement, je pourrais générer 41 kW de plus. 41 kW, ça fait combien? Ça fait presque une centrale solaire en plus. Et là, bah tiens, avec ces petits panneaux solaires, on va générer un peu plus du coup. Ceux-là, les bâtiments du milieu, on peut pas les améliorer. Et ceux-là, est-ce que... On va regarder à combien on est en pourcentage. On est à 235. On est à 235. Donc un peu plus de population qui arrive. Toc, 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 toc. Donc là, ils déposent de l'uranium. On a extrait nos 6. Et maintenant, ils veulent... Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié ça. Ils veulent qu'on construise une imprimante 3D. Donc c'est ce qu'on va faire. On va la construire par ici, tiens. Et l'imprimante 3D va me permettre d'imprimer, bah, du coup, des fournitures, des engins et d'autres besoins éventuellement. De l'autre côté, comment ça se passe? Ah ben, j'avais mis sur pause. De l'autre côté, ça se passe bien. Donc ça a été construit. Les bâtiments sont en train de se faire construire. L'uranium mine, elle est en train de se faire construire. Éventuellement, il me faudra aussi une... je vais y arriver. Une zone de minage pour pouvoir accueillir tout le monde. Et pour l'instant, on verra bien combien il y a de place par rapport aux gars. Donc, ici, c'est bon, ça a été fabriqué. Donc, il nous demande des fournitures et des engines. Donc, on va construire directement ça. Et on va les laisser taffer. Voilà. Donc là, on est bien, vous voyez, les besoins sont OK. J'ai encore un même... Éventuellement, je pourrais construire d'autres bâtiments. Celui-là, si je le mets là-dedans, ça me ferait 20 places de plus. Et... Éventuellement, ce serait bien de faire ça. Allez, on va le modifier. Et justement, on va avoir un peu plus de population qui va arriver. Une vingtaine de populations qui va arriver en plus. Donc voilà. Donc là, c'est OK. C'est OK. Donc maintenant, il voudrait qu'on construise un building, un trading portal. Donc on va le faire. On va le fabriquer. On va le fabriquer, bah tiens, par ici. Voilà, trading portail, ça nous coûte 700 de thunes et 330 de matière. Ici, donc les gars, voilà, j'ai 50 places, enfin 53 places, et j'ai des places pour 68 éventuellement de gars. Donc là, ils vont bosser, commencent à bosser. Je sais pas s'ils vont être autosuffisants en bouffe, on va regarder ça un peu. Donc on produit combien? Pour l'instant, on produit pas. On produit pas. On va regarder combien on va produire quand le premier tick sera fait. Niveau écologie, vous voyez que je suis pas terrible ici. Hein. Niveau espace fait, rester pour avec les. Ouais, non, c'est pas terrible. Premier tick, donc là, ça a été récolté. Donc, regardons. Je produis 5 et du coup, il va me falloir un nouveau champ. Il va me falloir un nouveau champ. La batterie station, je dirais que l'énergie, on est bien. Du coup, on n'avait même pas besoin forcément de batterie station. Je suis en train de me demander. On va là quand même lui dire de la fabriquer. Ça pourrait être intéressant. De ce côté-là, le trading portail, il n'est pas encore fini. Donc, on va les laisser bosser et on va s'occuper un peu de cette ville-là. Il va nous falloir quoi de plus? Éventuellement, est-ce que je pourrais pas construire un parc par ici? Qui nous rapporterait un peu d'écologie et d'esthétisme. Allez, let's go. On va fabriquer un parc de ce côté-là. Ici aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer une université. Hein? Ça nous a apporté un peu d'esthétisme, un peu d'éducation. Et ça va nous apporter surtout des places. Quoi, du coup, on va pouvoir fabriquer juste à côté une maison
un large médium. Et là, du coup, on est remonté un peu en écologie, donc ce qui est plutôt positif. Est-ce que les bâtiments apportent de l'écologie? Non, ils apportent pas d'écologie. Merde. Bah tiens, on va les modifier cela en bâtiment en joli bâtiment. Comme ça va me permettre d'avoir plus d'esthétisme dans ce côté-là. Et on va les laisser taffer. Du coup, de ce côté-là, comment que ça se passe? La ville, donc on est rendu à la moitié. Vraiment, on ne produit pas assez vite. On ne produit pas assez vite. Et vous voyez que on est chaud patate. Non, c'est la nuit. J'allais dire, on est chaud patate en gare. En efficiency, on est à 98% parce qu'on manque un peu de population. Hein. Il nous manque éventuellement 3 gars, mais c'est pas très grave pour le moment. Donc de ce côté-là, on est encore bon en énergie. Donc on a eu un nouveau bâtiment qui a été fabriqué. On a 75 places, 75 de population pour 70 de boulot. Donc là, c'est bon. Ici, il nous manque juste de l'argent. Ah merde! Il nous manque de l'argent. Donc, ce qu'il nous faudrait, ce serait fabriquer ce pont-là. Ou, attendez, est-ce que le petit bureau... Merde, le petit bureau coûte trop cher. Va falloir qu'on fabrique directement le pont. Si on veut être connecté, tant qu'il nous reste un peu d'argent. Parce qu'on doit payer des gars à rien faire. Et je vais devoir leur payer des taxes. Malheureusement. Est-ce que je peux pas trouver quelque chose? S'il faut vraiment que je construise le pont rapidement, autrement je vais t'emmerder au final. Je pourrais faire un crédit, mais ça m'emmerde. Ça risque d'être compliqué, hein. Si je sais comment que je vais y arriver. Donc ici, du coup, on est bon. Faut juste que, du coup, ils finissent de terminer ce portail-là. Donc il nous reste 4 zones. Je vais tricher, on va dire, entre guillemets. Parce que l'argent que je récolte là, je peux la mettre un peu où je veux. Ok. Bon, on va avoir, du coup, un problème. Il va nous falloir une autre mine... Il va nous falloir une autre mine. Ici, donc on est à 29, donc ça c'est ok. On va construire directement un pont derrière. Allez, apportez-moi la dernière zone. Yes, le portail est terminé. Donc on va pouvoir vendre des ressources. Déjà, je sais ce que je vais pouvoir vendre. On va pouvoir vendre de la flotte. De la bouffe. Et ça va être à peu près tout. Par contre, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais leur dire d'arrêter de fabriquer des engins pour pouvoir du coup avoir un peu plus de zones, enfin de trucs à vendre. Donc là, ça va être ok. Putain, ça va être tendu, hein. Je sais pas combien je vais avoir en argent ici. Mais ça va vraiment être tendu. J'aurais dû construire un petit bureau comme j'ai fait. Parce que franchement, le bureau, ça me génère de l'argent et c'est vraiment rentable, quoi. Y a plus qu'à attendre. Donc on va laisser se faire de ce côté-là. Donc là... On est à 9 sur 30. Ils vont s'occuper de vendre des ressources. J'aurais dû construire un aéroport aussi pour pouvoir vendre d'autres choses plus rapidement. Donc là, on est à 40. On vend pas assez de choses. Ouais, mais je n'ai pas de tonne-tôle. Si je construis un... Ça nous coûte 700. Shit alors.
Là, j'ai un gros problème. Fait chier parce que je vais jamais gagner 300, ça c'est sûr et certain. Et il me semble que la prochaine mission, c'est de fabriquer celle-ci. Je sais que j'ai un aéroport aussi à fabriquer. On va le fabriquer. Il me faudrait une deuxième mine. Donc là, on va le mettre en pause vite fait. Là, on va le mettre en pause aussi. Comme ça, ils vont s'en occuper de fabriquer la mine plus rapidement. Hein. Et ça va être vraiment mon gros souci. Ah, j'ai. À chaque fois, je me fais avoir sur un truc à la con de ce côté-là. Donc là, du coup, les gens vont pas être contents. Il y en a certains qui vont se barrer, mais c'est pas grave. Parce que là, je pourrais vendre de l'uranium à l'autre côté, éventuellement. Hein. Mais qu'est-ce que je pourrais construire comme bâtiment qui coûte pas cher? Ce qui coûte pas cher, c'est les bâtiments comme ça ou les petits, mais c'est même pas rentable au final de les fabriquer. Donc la mine, elle est pas encore terminée de fabriquer. Ah, fait chier, je me suis mis dans la merde bêtement. Et pourtant je le savais. Grâce à mes autres parties. Donc là, on est à 70 d'argent. On va attendre un peu. On va les laisser faire. Pof, 89, 80. Yes! Ça a été fabriqué. Du coup, maintenant, on va pouvoir leur dire de fabriquer celle-ci et celle-ci. Une fois que ce sera bon, maintenant, on va produire du coup un peu plus en gars, tac 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 tac, il va me falloir. Regardons vite fait. L'aéroport, ça me donne 10 places. Le pont, est-ce que ça me consomme des places? Non, ça me donne juste de l'esthétisme. Est-ce que je fabriquerais pas une petite maison? Je suis en déj de bouffe. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de vendre la bouffe. Parce que je suis en déj de bouffe, comme vous pouvez le voir. En fait, c'est juste qu'il la transporte pas parce que j'ai pas assez de gars. Voilà. J'ai une partie du pont qui a été fabriquée. Voilà, c'est bon. Là, ça revient. En fait, j'ai pas assez de drones. C'est ça, c'est le problème, du coup, pour le moment. Donc, du coup, j'ai pas assez de drones qui transportent la bouffe à droite, à gauche. Et du coup, c'est pas cool. On va fabriquer une nouvelle maison. Une petite maison. Là, on est à 9 sur 20. Une fois que ce sera fait, ce sera mieux. Voilà. De l'autre côté, on est à moins 60 en crédit. Donc, c'est la dèche totale. C'est vraiment la dèche totale. Allez, les gars. Vendez des batteries. Ça. C'est pas bon encore. En fait, ils ont tellement de taf à faire que du coup, pour le moment, ils n'arrivent pas à produire assez. Donc, faut qu'ils. Yes! Qu'ils terminent ça. On va fabriquer 6 drones directement. On va leur dire de fabriquer tout ça. Et une fois que les drones seront faits, du coup, ça va m'aider vachement. Vous allez voir que ça va être plus facile. Donc là, je suis en une petite période de crise, mais une fois que ce sera résolu, il n'y aura pas de soucis, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ce sera bon rapidement. Toc, toc, toc. Le petit bâtiment là, ok. Celui-là, pourquoi pour l'instant il produit pas? Ah, parce que voilà, j'étais pas en surplus. Il va me falloir éventuellement aussi une nouvelle panneau, des nouveaux panneaux solaires. Voilà. Comme ça, on va générer plus d'argent. Merde, pourquoi j'ai arrêté de faire fonctionner? Je suis bête. Et là, c'est pas encore bon. On va pas le faire tout de suite. On va attendre la prochaine journée pour pouvoir du coup avoir plus d'énergie, plus de choses.
Là, on est bien, on n'a pas d'employés, donc là, ça nous donne 200, donc c'est plutôt bien. Trading platform arrived. Attention. Ici, du coup, on a vendu, donc on va accepter l'argent. Ah putain, on est tellement négatif. Ici, on va arrêter de vendre la flotte. Faut qu'ils se dépêchent de fabriquer les cargos. Une fois que ce sera fait, on va mieux gérer du coup. On aura déjà plus de cargos. Voilà, vous voyez, un nouveau vaisseau qui est arrivé. Donc on va transporter un peu plus de choses du coup maintenant. Hein? Hop. J'espère que je vais remonter surtout de l'autre côté au final. Parce que du coup, autrement, je vous aurais montré une mauvaise. Donc là, l'aéroport, il a été fabriqué. Toc, 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 toc. Là, on va de l'autre côté, on raccélère, on accepte ça. Là, c'est bon. Yes! Oui, on a réussi à construire du coup le pont. On va pouvoir maintenant vendre des ressources. Donc ici, on va vendre de l'uranium. On va en vendre 20. Ok. Et normalement, de ce côté-là, voilà, ils achètent 20 d'uranium. Donc, on va acheter de l'uranium. Comme ça va être bon. Lui, ça va lui refaire un peu d'argent. Ça va lui faire plaisir. Et du coup, vous voyez là que là, on commence à remonter maintenant un petit peu, hein. Ça, c'est plus facile. L'esthétisme au niveau d'ici, on est bien. On est mieux plutôt. On va accepter l'argent de ce côté-là. Bill d'université. Ouais, bah ouais, mais je peux pas en fait, j'ai pas assez d'argent. 250, j'ai trop de gars en fait. J'ai trop de gars, ça m'emmerde un peu. Soit je pète celui-là, donc j'ai 14 places, ça va m'en démolir, et là ça m'en donne 25. Parce que faut que j'arrête de payer les gars pour rien. Éventuellement l'université, mais ça me coûte 800, donc je ne peux pas la fabriquer. Fais chier, fais chier, fais chier, fais chier. Bon, on va péter ça. Il y a des personnes normalement qui vont se barrer d'ici. Hop. Ouais, il y a 20 personnes qui vont se barrer. Et du coup, on va arrêter de payer. On va arrêter de payer. Donc là, va falloir que que je construise du coup ici une zone de recyclage. De toute façon, c'est pas grave. De ce côté-là, c'est pollué à mort. Mais du coup, une fois que ce sera fait, on va pouvoir recycler cette merde-là et générer un peu plus d'argent. Ici, du coup, on stocke un peu d'uranium. On est quand même bien. Enfin voilà. Donc après, une fois que j'aurai construit l'université, je vais pouvoir faire de la recherche. Avec cette recherche-là, je vais pouvoir booster certaines compétences, donc savoir avec les dépôts, etc., etc. Enfin, faire plusieurs petites choses qui vont du coup vous aider sur l'aventure. Je vais éventuellement pouvoir aussi relier là-dessus. Je vais pouvoir créer des zeppelins pour faire du tourisme entre les villes. Des drones, bah, used by citizens, Brazen. Ok, ça me permet d'augmenter le prestige de la ville. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est ce que les citoyens utilisent pour se déplacer. Donc éventuellement, c'est ce qu'on fera. Mais voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous fais des bisous. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis du coup à très vite. Désolé encore pour le petit bug de son. Et portez-vous bien. Ciao, ciao, c'était Soy.